Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de The Inner Life. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé des aliments que j'avais toujours chez moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces aliments que je ne mange jamais ou de manière extrêmement ponctuelle. C'est parti, on y va. Le premier aliment que je ne mange jamais, en tout cas chez moi, j'en ai jamais, c'est du sucre blanc. Alors ça fait rire mes amis parce qu'à chaque fois qu'ils me demandent du sucre, je leur apporte mon pot de sucre et ils se disent quoi, c'est du sucre de canne? Non, c'est pas du sucre de canne. Je vous raconte après. A l'inverse du sucre que je consomme, le sucre blanc issu de la betterave ou issu de la canne à sucre ou même le sucre roux de canne à sucre qui est des fois un petit peu un leurre, est un sucre qui n'est pas complet. Donc comme les pâtes ou le riz, vous avez la version graine complète et la version graine incomplète disons. Et en fait, quand vous consommez du complet, vous avez tous les nutriments qui sont conservés dans l'aliment et qui ensuite vont pouvoir vous nourrir et vous faire du bien. Donc moi, au lieu de consommer du sucre blanc qui ne contient pas tout ça, je consomme du sucre complet. Donc là, en l'occurrence, j'ai de la panela. La panela, c'est un sucre qui vient d'Amérique centrale, d'Amérique latine. Et moi, j'ai découvert quand je vivais en Colombie et aujourd'hui, on en trouve à peu près partout. Ça s'appelle aussi Mascovado, je crois, quelque chose comme ça. Panela, c'est le nom en espagnol, il me semble, si je me trompe pas. Et donc, c'est un sucre qui est complet, donc qui a tous les nutriments dont on a besoin. Et en plus, c'est encore meilleur. Je vous invite réellement à tester ce sucre-là. C'est encore meilleur que le sucre blanc qui vous apporte pas grand-chose à part un goût. Et donc, pas de nutriments, pas de tout ça. C'est juste... Vous allez peut-être devenir accro et c'est juste pas nécessaire. Alors qu'avoir un sucre ou du miel ou même du sirop d'agave, c'est une option qui est complète, qui est pleine de nutriments encore une fois et qui sera meilleure pour votre corps. Le deuxième aliment que je ne mange jamais en tant que tel, c'est du lait animal. Je consomme du fromage, donc pour ceux qui ne savent pas, moi je suis végétarienne, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande, pas de poisson, mais je consomme de temps en temps du fromage de manière assez ponctuelle et du ghee en ce moment. Mais de manière générale, le lait de vache, le lait de chèvre, surtout le lait de vache, c'est ma grosse problématique, je n'en consomme pas. Je ne consomme pas non plus de yaourt à base de ces laits-là. J'ai envie de faire un focus sur le lait de vache parce que c'est celui qui est le plus répandu. Le lait de vache, c'est un lait qui est extrêmement riche en protéines. Donc si je vous parle du côté santé, imaginez un veau. Le veau, il naît. Donc il a une certaine taille et au bout de 6 mois, il a peut-être doublé de volume. Pourquoi ? Parce que en consommant le lait de sa maman, on lui a apporté tellement de protéines qu'il a eu cette capacité de vraiment de s'expandre et de devenir un bel animal. Donc par nature, l'être humain n'a pas besoin d'autant de protéines, n'a pas besoin d'autant de richesses et il y a tellement de protéines dans le lait de vache particulièrement que pour l'assimiler, notre corps doit faire appel au calcium qu'il a en lui pour travailler d'autant plus. Donc d'un côté, on se dit, je vais manger du lait de vache pour avoir un apport en calcium, mais ce calcium n'est pas assimilé parce qu'il sert à l'assimilation justement de ces protéines-là, à l'élimination de ces protéines-là. Donc, c'est un petit peu... On croit faire bien, mais finalement, ça ne nous apporte pas que du bon. Ensuite, d'un point de vue éthique et environnemental, il arrive que le lait de vache soit produit en énorme quantité, et ce, grâce à des hormones de croissance que l'on donne à ces vaches-là. Je ne dis pas que c'est le cas partout, absolument pas. Dans tous les cas, tous les aliments que vous consommez, il est important de savoir d'où ils viennent, comment ils ont été produits, est-ce qu'ils viennent de l'autre bout de la terre ou est-ce qu'ils sont en local, est-ce qu'ils sont bio ou un petit peu responsables ou pas. Voilà, c'est la responsabilité de chacun de savoir d'où viennent les aliments qu'il mange. Mais en tout cas, il arrive que le lait, ce soit le cas. Ce qui veut dire qu'une vache qui normalement peut produire 10 litres de lait par jour, disons, va en produire 50 parce qu'on a besoin d'énormément de lait, parce que notre consommation de lait dans les pays occidentaux est énorme. Je crois même de manière générale sur la planète, est énorme. Et donc une vache qui est comme ça surmenée, c'est un petit peu comme si vous alliez faire un marathon, vous, tous les jours. C'est pas naturel de faire autant d'efforts et donc l'espérance de vie de ces animaux est réduite parce qu'on les surexploite et moi, d'un point de vue éthique, ça me dérange. Cependant, j'ai pas skippé tout ce qui ressemble à du lait.
Donc par exemple, je consomme de temps en temps du yaourt au soja. J'en achète de temps en temps parce que vraiment j'aime ça. Et avec du sucre panela, je trouve que c'est absolument divin. Ensuite, le matin, je me fais mon petit déjeuner avec du lait, entre guillemets, d'amande ou du lait de riz. Ou ça m'arrive aussi d'avoir... Basique, ouais, c'est plutôt ça. Lait d'amande, lait de riz. Je consomme pas réellement de lait de soja parce que déjà que je mange du tofu qui est à base de soja, que je mange plusieurs protéines comme ça qui sont à base de soja, ou que de temps en temps je mange du yaourt au soja, je me dis bon, le lait, il y en a d'autres qui sont très bons, le lait entre guillemets, hein. Il y en a d'autres qui sont très bons, donc je vais me tourner plutôt vers l'amande ou vers le riz, ou vers la noisette, c'est ça aussi. La boisson à la noisette est absolument incroyable. Le troisième aliment auquel je fais très attention, c'est pas un aliment, c'est plus un ingrédient, c'est l'huile de palme. Ça fait des années que à chaque fois que je fais mes cours, je scrute l'arrière des packaging pour voir si les biscuits que j'ai envie d'acheter, ou la pâte à tartiner que j'ai envie d'acheter, ou les gâteaux apéro que j'ai envie d'acheter ont de l'huile de palme. Et s'ils en ont, je ne les achète pas. Encore hier soir, j'étais dans un restaurant génial à Barcelone que je viens de découvrir et ils avaient en dessert une pizza au Nutella. Donc j'ai parlé avec le chef, je lui ai dit, est-ce que c'est vraiment du Nutella ou est-ce que c'est juste pour que tout le monde comprenne, vous avez mis du Nutella? Il m'a dit, non, c'est du Nutella à 100%. Alors je lui ai expliqué pourquoi moi je refusais de manger du Nutella et pourquoi du coup j'allais pas manger sa pizza au Nutella alors que j'adore le goût et que je me serais régalée. Il y a l'aspect santé et l'aspect environnemental. D'un point de vue santé, l'huile de palme est composée à 50% d'acides gras saturés à longue chaîne. Il y a quelques temps, je vous ai parlé de l'huile de coco qui est aussi composée énormément, encore plus, d'acides gras saturés, mais à courte chaîne. Donc quand c'est court, notre corps est capable de l'assimiler. Quand c'est long, notre corps le stocke et on a des risques de problèmes cardiovasculaires qui sont beaucoup plus importants. Mais si on en consomme un petit peu, c'est pas non plus la fin du monde. C'est pas très grave de consommer un peu d'huile de palme pour notre corps, ça nous fera pas forcément des problèmes cardiovasculaires. C'est vraiment en consommer énormément, c'est comme tout. Mais le point qui pour moi me paraît le plus important, c'est le point environnemental. L'industrie de l'huile de palme est une industrie qui, avec très peu de scrupules, est allée en Asie du Sud-Est très souvent. Donc elles ont enlevé des forêts primaires avec la faune, la flore, avec des herbes médicinales, avec tous ces arbres qui parfois, enfin qui tous ont poussé vraiment de manière complètement aléatoire parce que la nature était puissante. Ils ont tout enlevé et ils ont planté ces arbres pour créer de l'huile de palme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on estime à 5000 le nombre d'orang-outans qui sont menacés chaque année par la déforestation parce que eux ils étaient là tranquilles et que quelqu'un est arrivé à virer tout leur univers et à planter des arbres pour produire de l'huile de palme. C'est aussi le problème des locaux sur place qui ne trouvent plus ces herbes qu'ils utilisaient pour leur médecine parce qu'il y a de moins en moins de forêts primaires et naturelles et elles sont remplacées par des grandes forêts de palmiers pour faire de l'huile de palme. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui énormément d'alternatives aux produits composés d'huile de palme. Parce que, évidemment, les marques telles que LU, telles que Nutella, telles que certains gâteaux apéro, mais de moins en moins, essayent de produire de manière responsable, vous disent que s'ils enlèvent un arbre, ils en plantent un autre. Mais c'est quand même pas très naturel de virer tout ça et de faire sa petite économie là-bas. Donc, moi par exemple, j'adore le Nutella, j'adore la pâte à tartiner, j'adore les biscuits le prince, j'adore tout ça. Je suis une grande gourmande, le chocolat, les noisettes, c'est génial, j'adore ça. Et j'ai trouvé que ce soit au supermarché classique ou au supermarché bio, des alternatives qui n'utilisent pas d'huile de palme où l'huile est remplacée, où l'huile de palme est remplacée par une autre huile végétale. Et là, je me dis, bon, je me fais autant plaisir. Et je fais de mal à personne. Ça, c'est vraiment chouette. Le dernier aliment que je ne consomme jamais, ce sont des sodas. Bon, c'est vrai que j'ai pas vraiment de plaisir à boire du soda. C'est comme l'alcool, c'est un truc que mon palais apprécie pas vraiment. Mais au-delà de ça, le soda, et je me suis intéressée particulièrement au cas du Coca-Cola parce que c'est... Quand j'ai appris en école de commerce que où que l'on soit dans le monde, en moyenne, on avait une bouteille de Coca à moins de 500 mètres, je me suis dit... Ah ouais, ils sont forts les gars.
Et en fait, la production de Coca-Cola, c'est une production qui est très très consommatrice en eau. Pour produire 1 litre de coca, il faut 5 litres d'eau. Et là, je me suis dit, d'accord, mais elle est où l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Et comment on peut consommer autant d'eau alors que nous tous, au quotidien, on essaye de faire attention et d'être responsable? Donc, de ce point de vue-là, ça me dérangeait vraiment de participer à cette raréfication de l'eau. Alors, Coca-Cola a une charte. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils ont une charte dans laquelle ils expliquent que toute l'eau qu'ils utilisent, ils la redistribuent à la nature. Alors, moi, je veux bien y croire, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire que ces sociétés-là font les choses bien et qu'ils essayent vraiment de protéger l'environnement tout en essayant de faire leur business, ce que je trouverais exceptionnel. Mais j'arrive pas à comprendre, et si vous comprenez, expliquez-moi, parce que moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut consommer de l'eau. Donc, on l'a consommée, elle n'est plus là. Et ensuite, on redonne exactement la même chose. L'eau, c'est pas comme l'argent qui peut se fabriquer ou comme, je sais pas, des plantes qui peuvent pousser. L'eau, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu peux pas la fabriquer toi-même. Donc, il y a quelque chose dans ce circuit-là que j'ai du mal à comprendre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous avez plus d'explications. Surtout, partagez avec moi parce que je suis curieuse de comprendre comment ça marche. On parle beaucoup de la cigarette qui est addictive, des drogues, aussi de l'alcool, etc. Mais le coca, de par sa teneur extrême en sucre, est un produit qui va vraiment vous accrocher. Et plus vous allez en boire, et plus vous allez avoir envie de boire du coca. Au-delà de ça, certaines fois, le sucre est remplacé par de l'aspartame. Mais l'aspartame, c'est un faux bon ami, dans le sens où il va vous faire croire que effectivement, il y a moins de sucre, donc moins de glucides, etc. Mais il va vous donner envie de manger plus et votre seuil de satiété va augmenter. Donc finalement, il va vous troubler dans votre perception. Ensuite, le Coca-Cola est un acide. Vous avez tous entendu parler ou vu des vidéos de personnes qui nettoyaient leurs toilettes avec du Coca-Cola et genre c'était super, ça marchait trop bien. Effectivement, le Coca-Cola est un acide et ingérer ça peut vraiment provoquer des ulcères à l'estomac ou tout un tas de dérèglements à l'intérieur de notre système. Et ça avec très peu de quantité, c'est-à-dire que dans les liens que je vous mettrai en barre d'infos, par exemple, ils parlent de 1,5 litre par semaine. C'est une bouteille par semaine, c'est pas énorme. Et pourtant, ça peut causer vraiment des risques ça a des risques très très grands, et particulièrement chez les femmes enceintes et chez les enfants. Et moi, ça me fait peur de me dire que la vie, on est en train de l'abîmer avec des comme ça. Alors moi, je suis pas fan de Coca-Cola, je trouve ni de tous les sodas, Fanta, Pepsi, etc. Je trouve pas, ça me fait pas particulièrement plaisir. Et en même temps, de par le sucre qu'ils y mettent, je comprends qu'on en devienne accro. Mais je essayais juste d'autres options. Moi, je sais que j'adore l'eau, donc je suis un petit peu ok. Mais je trouve que par exemple de l'eau avec un peu de citron et avec de la menthe et peut-être de la fleur d'oranger, ça vaut 10 000 fois les Pepsi, les Fanta, les Orangina et les Coca-Cola. Je trouve que c'est tellement plus goûtu, ou un jus frais, c'est tellement, je sais pas, ça a plus de saveur et en même temps on se fait du bien. Donc voilà, juste prendre conscience des choses, ça veut pas dire d'arrêter complètement. Et c'est le cas pour tous les aliments dont je vous ai parlé là. Je vous dis pas de les boycotter, d'arrêter, de voilà. Chacun fait comme il le sent, mais il y a des options qui nous permettent de consommer différemment, alors pourquoi pas essayer. Moi, depuis que je suis végétarienne, ça fait maintenant 5 ans, j'ai compris à quel point j'étais habituée à manger d'une façon qui était un petit peu restrictive. Et il y avait plein d'aliments que je connaissais pas et que j'avais jamais vraiment testé. Et puis, en étant devenue végétarienne, je me suis beaucoup intéressée à la nutrition aussi. Et c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, la panela. C'est comme ça que j'ai découvert un tas d'alternatives à ce qu'on a l'habitude de manger qui, en fait, font que la cuisine est plus riche, plus savoureuse, plus généreuse et plus variée aussi. Parce que quand on s'interdit, entre guillemets, de manger un aliment, on a envie de le remplacer et là on se dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y a plein d'options !» Donc peut-être que c'est juste ça l'idée. Moi, je sais que ça m'intéresse beaucoup de savoir comment je remplace ma crème fraîche parce que j'aime trop me faire des gratins avec de la crème fraîche.
Ben voilà, je trouve de la crème de soja et je suis ravie, je trouve ça délicieux. J'en mange pas tous les jours encore une fois, mais je mangeais pas de la crème fraîche tous les jours non plus. Donc voilà, je vais essayer de varier au maximum, c'est peut-être juste ça notre objectif commun. Et on se régale vraiment avec des choses qui diffèrent de ce qu'on a l'habitude de manger. Donc voilà, vraiment faites-vous plaisir, l'alimentation c'est un bonheur et on a la chance d'avoir accès à un choix incroyable chez nous. Donc que ce soit les fruits, les légumes, les légumineuses, les graines, les boissons, il y a tellement de choix et en fait on est tellement habitué à manger la même chose qu'on ne les voit pas, on voit pas forcément tout ça. Mais prenez le temps d'essayer de découvrir autre chose et vous allez être surpris, j'en suis sûre. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo de The Inner Life. Encore merci d'être ici et de me suivre et d'interagir comme vous le faites. Vraiment, moi, ça me fait tout drôle et je suis très émue à chaque fois. Je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao !